Salut tout le monde, c'est Diablo X9, je vous retrouve aujourd'hui, on est lundi, sur du Minecraft, et oui, je vous l'avais promis, après la fin de notre aventure sur The Tourist, j'ai encore une fois à saluer le créateur de cette map, qui a vraiment fait un boulot exceptionnel, on a pris beaucoup de plaisir, j'ai cru comprendre que les gens avaient vraiment apprécié cette série. Je vous ai promis, on continuerait à faire du Minecraft. Alors d'un seul coup, j'ai pas du tout la même gueule. Alors je sais pas si vous aviez vu sur la chaîne secondaire, j'avais fait un live il y a un petit moment. Où j'avais vraiment, mais vraiment fait un truc à l'arrache, hein, je vous le cache pas, hein, vraiment un petit live à la con comme ça sur Minecraft où j'avais construit une maison en forme de... Bon bah écoutez, on peut se le dire, elle ressemble un peu à une bite. Et il faudrait que je change ça là parce que c'est vraiment horrible. Et le pire c'est que j'ai pas fait exprès quoi, c'est vraiment à la fin, je suis sorti, je me suis fait, mais elle a une drôle de forme cette maison quand même. Et je suis en mode Extreme Survival Hardcore de la mort. Ce qui fait que si je me fais tuer, je crois que tout est fini ou un truc comme ça. Ouh, il y a du mouton. Ouh, il y a du mouton, nom de Dieu. Et donc voilà. Pourquoi je ne le fais pas sur une nouvelle map aventure? Tout simplement parce que j'ai besoin de votre avis. Moi, du Minecraft, je m'amuse très bien à creuser le sol pendant 10 minutes et à vous parler. Bah, ça va devenir un peu chiant pour vous, j'imagine, à force. Alors, oui, bah de toute façon. Alors, ce qui sera intéressant, si vous voulez, c'est que là, j'ai noté quelques noms de map aventure qu'on m'a cités, que ce soit sur Twitter ou dans des commentaires YouTube. Et vous allez, vous, aller dans la description, dans laquelle se trouvera tout simplement le lien de... Oh, bah tiens, j'ai mon intro qui se lance, c'est quoi ce bordel? Oui, voilà, excusez-moi, non, mini souci, c'est pas grave. Qu'est-ce que je disais maintenant? Oui, que vous décidiez, en fait c'est super simple, dans la description de cette vidéo vous allez trouver ma page officielle Facebook, vous avez même pas besoin d'être connecté à Facebook pour y aller je crois, rassurez-vous. Et dessus vous allez trouver eh bien, un sondage en ce lundi avec le nom de ces maps. Alors si vous n'avez aucune idée de qu'est-ce qu'il s'agit comme map, allez peut-être vous renseigner avant de voter. Alors je vais rapidement vous les citer, alors il y en a une qui est revenue plusieurs fois, c'est de Dropper. Tout le monde me dit qu'elle est géniale celle-là, alors j'y connais vraiment rien, hein. C'est-à-dire que si elle a été faite 15 000 fois par plein d'autres duos ou youtubeurs ou je sais pas quoi, voilà, moi j'ai aucune idée. Alors il y a deux droppers, il y a Ski Grid, Sky Grid, je sais pas, il y a Maya's Time, il y a It's Better Together, et comme vous vous en doutez certainement, c'est une map qui se joue à deux, une autre map qui se joue à deux, The Five Cubes, et une map qui s'appelle The Legend of Zelda. Voilà, alors les connaisseurs verront certainement direct de quelle map je parle. Moi, franchement, là, ça me dit rien du tout, mais il y en a certainement qui sont exceptionnels, j'en doute pas. Une seule seconde, tiens, je vais aller couper du bois. Et donc, ce serait assez sympathique que bah, vous alliez sur cette page et que vous alliez voter, tout simplement, pour qu'ensuite je puisse décider quelle map, sur quelle map je ferai ma prochaine aventure tous les lundis, comme d'habitude. Pour Diablo X9 is playing sur ma chaîne principale, voilà. Et puis je pense que j'arrêterai de... Disons que le sondage s'arrêtera d'ici... allez, quelque chose, je dirais... Je vous laisse un ou deux jours, j'arrêterai mercredi. Ça me laisse quand même le temps d'enregistrer pour lundi prochain, voilà. Alors non, ça, Benoît, ça se creuse... Ça se creuse... Ça se casse avec une hache. Voilà, et puis sinon, je crois vous avoir à peu près tout dit. Le but n'était pas de faire une vidéo très très longue, hein, c'est plus une sorte de transition en réalité pour la prochaine map aventure sur Minecraft. Pour les autres jeux Diablo X9 is playing, j'ai des idées pour remplacer les prochains jeux qui se termineront comme... bon, on n'y est pas encore, hein, mais Rayman, mine de rien, Deadlight le vendredi, c'est pas le jeu le plus long du monde, etc. Enfin, j'ai plein de petites idées qui feront que, bah, comme d'habitude, vous serez pas en manque de vidéos. Rassurez-vous, ça, c'est sûr et certain. En attendant, bah écoutez, moi, ce que je vous propose, c'est de me regarder faire rien, comme d'habitude, couper du bois et vous raconter... vous raconter ma vie. Ça vous dit, tiens, c'est vachement joli par ici, quand même. Ouais. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, bah sinon, honnêtement, moi, là, dans la vie, tout va bien. J'enregistre cette vidéo, il est dimanche soir, et cette vidéo sortira lundi. Et au moment où vous regardez cette vidéo, s'il est midi, eh bien, moi, vers 14h, je vais aller me faire interviewer. J'ai un rendez-vous, mon premier rendez-vous, pour me faire interviewer dans une radio suisse. Alors, je vais pas citer la radio. Étant donné que bah, je garde tout simplement la surprise et je l'annoncerai une fois que l'interview sera terminée, ainsi que sur Twitter, sur Facebook, etc. pour que les gens puissent aller l'écouter une fois qu'elle passera en live
à l'antenne. Par contre, c'est une radio suisse, donc je suis pas sûr que vous, pauvres petits Français, Belges, Québécois et autres nationalités francophones ou dans d'autres pays qui sont quand même français mais qui parlent pas français dans le pays, enfin vous avez compris ce que je voulais dire, pourront l'écouter. J'en suis pas persuadé de ça, à vérifier, on verra. Encore une fois, je vous donnerai les liens en temps et en heure voulu. C'est que je commence un tout petit peu à faire de la déforestation là. Il faudrait que je me calme. Combien est-ce que j'ai de bois? Ouais, j'en ai pas tant que ça en fait. Non, j'en ai. Ah oui, non, mais attendez. Le bois se transforme en planche et là, ça me fera beaucoup de planches du coup. Mais on va vraiment arrêter parce que franchement, cette maison en forme de. Voilà. Ça me branche pas trop quoi. Voilà, je vais encore me faire une partie de cet arbre là. Et ensuite, on va aller régler ce problème. Voilà! Oh celui-là. Oh putain, celui-là, il m'a mal regardé là. Allez, prends ça. C'est le mec qui peut pas s'empêcher de tout déforester là. Destroy all the three. 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 Merde, la maison, elle est où là? Là-bas. Ta-ta-da-da. Oh merde, en plus le soleil se couche. Et je commence à avoir faim. Oh ah non, c'est bon, j'ai à manger. J'ai une pomme déjà. Est-ce que je peux manger la pomme? Je peux manger la pomme. Ah, effectivement, on va encore plus vite comme ça. En courant et en laissant enfoncer la touche de saut. Bon, ça va me bouffer toute ma nourriture en bas à droite en 2 minutes, mais je dois avouer que c'est plutôt pas mal. Alors, attendez, vous savez ce qu'on va faire? On va attendre que le soleil. Oh, je peux commencer. Oula. Ouh là là, on se calme. Je vais déjà commencer un peu voyons voir. J'avais pas un coffre là-bas au fond. Je crois que j'avais un coffre. Effectivement, Thierry, ça se confirme. Alors, voilà. Voilà. Hop. Ça va me faire plein de planches, c'est bien. Ah oui, là je vous cache pas que ça va m'en faire beaucoup même. Là. Et là, parfait. Ah bah non, j'en ai encore dans la main. Là. Hop. Ah oui, bah là, j'ai de quoi me faire un chapiteau, je pense. En tout cas. Oh mon Dieu. Voilà. Allons voir l'avancée de notre ami le soleil. Ouais, ça va encore. Écoutez, l'autre maison, on va pas la faire ici parce que. Ah, ce sol, je le sens souillé là. Je vais le mettre un peu plus par là-bas, près de l'eau. Ah, par ici, ça me paraît pas mal. Avec les petites roses et tout. Ouais. Non, c'est pas mal du tout. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on va faire la structure avec ça. Ouais. Mais non, il faut que je descende d'un cran toute cette terre, du coup. Oh, ça va pas être long du tout, non. Oh non, ça va vraiment pas être long. Bah non. Non, franchement, ça devrait aller, regardez. Évidemment, comme d'habitude. Oh, ça c'était mon téléphone. Évidemment, comme d'habitude, on va tout faire dans l'à peu près, n'est-ce pas? Donné que je maîtrise tellement Minecraft, vous voyez que j'ai même pas besoin de calculer ce que je fais. Étant donné que je suis connu mondialement pour être un des plus gros youtubeurs Minecraft. Mais ça me paraît pas mal, écoutez. Maintenant, je vais déjà faire le tour avec ça. Oh, le soleil se couche. Vite! Vite, je veux pas mourir. Ce serait con quand même, hein. Pendant que je recule, je suis en train de ramasser toute la terre bien dégueulasse. Voilà. Oh! J'entendais pas. Non, ça va, c'est un mouton.
Voilà, hop, on va se coucher. Au dodo. Au dodo. Dodo. Il est mignon ce jeu quand même, il n'y a rien à faire. Voilà, parfait. Allons continuer notre tâche. Alors, où est-ce qu'elle est? Elle est là. Ah ouais, non, mais elle va être parfaite là. Elle va être parfaite, moi je vous dis, franchement. Bon, maintenant que j'ai ça. Eh bah écoutez, c'est simple. On fait des trous-trous, on fait des trous-trous. Et donc là, du coup, il y en a beaucoup d'entre vous qui. Ah, mais ouais! Il y en a certainement pas mal d'entre vous qui ont repris les cours aujourd'hui. Alors bon, il y a mes pauvres compatriotes suisses, valaisans, qui ont repris les cours il y a déjà une semaine de ça, même deux. Attendez. Non, une. Il y a certains Français qui ont repris aujourd'hui. Eh bah écoutez. J'espère que vous avez une bonne classe, des horaires pas trop casse-couilles, des profs pas trop chiants. Et évidemment, la soif d'apprendre, d'étendre et d'élargir votre culture. Ouais, c'est ça, fous-toi toujours de notre gueule, Benoît. Et puis, j'espère sinon qu'en général, la vie, ça va bien pour vous. Honnêtement, moi là, j'ai encore plein de projets qui sont en train d'arriver, etc. Là, ça va vraiment être énorme ici, mais vous allez en profiter, vous allez voir. Il refait nuit? Ah non. Non. Et puis surtout, ouais, je suis en train de passer le permis là. Enfin, j'ai déjà fait le code depuis un petit moment. J'ai bientôt fait. Oh, je sais pas, j'ai dû faire quoi? 4. Non, pas 4. 6 ou 7 cours de conduite. Alors, contrairement en France, nous en fait en Suisse, on a pas obligé. Je crois que techniquement, on n'est même pas obligé de faire des cours de conduite. Mais c'est évidemment très fortement conseillé. Parce que lorsqu'on se présente à l'examen et qu'on n'a jamais fait de conduite, ben voilà. Donc là, je suis à 5 ou 6. Ça se passe vraiment super bien. Et j'espère pouvoir passer l'examen début septembre. Sur la semaine du. Quelque chose comme le. Aux alentours du 10, je crois. J'ai pas la date exacte, honnêtement. Enfin, bref. La porte sera là. Et donc là, du coup, on fera le sol de cette couleur. Oui. Voilà une bonne idée. Mais où pas. Où est Valérie d'Amido? Valérie, comment? Valérie d'Amido. Je crois que c'est. Non, non, je dis de la merde, c'est sûr et certain. Mais vous voyez de qui je parle. Valérie d'Amido? Mais je crois que c'est ça. Enfin bref, celle qui fait déco. Oui, qui c'est, je crois. Sur M6. Je sens que je vais être baisé parce que j'ai pas d'autres bois comme ça, je crois. Ah! God damn it! Ce bois, est-ce que c'est le bois qu'il y a là-bas? Parce que si c'est ça, ça me va, moi. Alors, on va aller regarder. Oh putain! J'espère pas qu'ils m'embêtent ceux-là. Ah, ils ont pas l'air d'être trop méchants, ça va. Hop. Ah, puis je vais même pouvoir prendre des arbres blancs. Voilà la bonne idée. Est-ce que j'ai une autre pioche? Non, putain de merde. Enfin, je voulais dire une autre hache. Alors, vous savez ce qu'on va faire? Je vais poser ça là. Oh putain, j'ai de la chance par contre. Parce qu'il me reste. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Voilà. Hop. Hop. Voilà, c'est des haches que je n'avais plus. Quel est ce bruit? Encore un mouton. Voilà, ça je détruis. Oh mais décidément. Voilà. Je l'ai mis sous vibreur. Il me faut encore du bois, plus de bois. Et puis je me disais, pourquoi pas, après avoir fait une prochaine map aventure, pourquoi pas simplement bah, vous proposer cette survie-là, tous les lundis. Mais le truc en fait, c'est que
Sur Minecraft, voilà, on fait notre maison, puis à un moment, je vois pas l'intérêt de la chose, si vous voulez. J'ai l'impression que les gens vont s'emmerder, parce que, enfin, je sais pas quoi faire. Il y a des gens qui me disent, ouais, bah survie, bah je fais, oui, bah oui, je survie, écoute, j'attends qu'il fasse nuit, je dors, je me lève, je refais la même chose et je me couche, quoi. Il n'y a rien d'extrêmement difficile. Alors oui, je peux tenter de faire une mine, je peux tenter d'aller chercher du diamant, nanana, d'accord. Mais voilà, j'ai pas l'impression que, enfin, à moins que vous ayez vraiment des idées exceptionnelles. Franchement, si vous trouvez quelque chose, moi ça m'intéresse parce que je l'aime bien, ma petite survie là. Puis ça met un peu de stress quoi, parce que si je crève, j'ai l'air un peu con quoi. Enfin, encore plus que d'habitude, je veux dire. Là, je me suis perdu par contre. Je crois. Oui. Toum, 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 toum. Hop. Là. Ah! Oh! Putain de merde. C'est pas grave. J'ai toujours 4 pelles de rechange sur moi. Quoi, t'as un problème? C'est ça, tu veux te battre, connard. Ah, ça va un poil moins vite hein, quand même du coup. Ah bah tiens, on va encore aller déforester un petit coup par là-haut. Voilà. Un petit arbre blanc juste ici. Voilà. Ça fait du bien du Minecraft. Mais vraiment, pas à très haute dose, hein, vous savez. Moi, je suis vraiment pas du style à jouer à du Minecraft comme j'ai pu jouer à du Call of ou comme je joue à du Battlefield actuellement. Hein. Alors, franchement, les gens qui sont fous de Minecraft, comme beaucoup qui regardent cette vidéo, certainement, hein, je sais pas comment vous faites, quoi. Il faut vraiment, en fait, je crois que vous avez de l'imagination. Bon, évidemment, moi, j'en ai pas, quoi. Mais je veux dire. Vous devez vraiment trouver des trucs à faire, hein, parce que moi, mon Dieu, ce que je m'emmerde à force à faire ça, parce que je trouve pas quoi faire dans ce jeu. Et quand j'arrive enfin à faire une maison à peu près présentable, enfin présentable, quoi, il y a un toit, il y a une porte et il y a 2 étages, quoi, et je suis content. Et ben voilà, je m'en vais, je me dis bon, bah, c'était sympa. Je retourne sur Battlefield, quoi. Ouais, non, mais sans déconner, là, je crois que je suis un peu paumé. Ah, je crois qu'elle est par là-bas, ma maison. On verra. Destroy all the tree, yeah. Ok, je crois que je suis plein. Ça se confirme, je suis plein. Allons-y. Ah putain, fail. Voilà, voilà. Ouais, c'est par là-bas, c'est bon. Ah, je peux me repérer grâce à la jungle. Georges, Georges, Georges de la jungle. Oh là là, mais quel navet ce film. Voilà. Maintenant. I'm going to make, to create a sarcophage, a coffre. You know what I mean? A coffre, just like this one. And fuck the flowers. Hop. Et ça, tu dégages, ça, tu dégages, ça, tu dégages. Voilà, ça, j'en ai pas besoin non plus, ça non plus. Ça non plus, ça, c'est bientôt terminé. Voilà, déjà, ça va me faire un peu de place. Planche d'acajou. Ah oui, non, ça c'est ce que je ne veux pas, du coup. Alors je vais en mettre quelques-unes là-dedans. Voilà. Et maintenant, on va créer notre bois dont on a besoin. Ah oui, ça m'en fait quand même pas mal, du coup, c'est bien. Hop, déjà rien qu'avec ça, je peux y aller un petit bout, si vous voulez mon avis. Voilà. Hop, c'est parti. Ouais, moi je fais tout vachement vite parce que c'est vrai que Minecraft c'est vraiment un jeu que je maîtrise depuis la sortie. J'étais parmi les alpha testeurs. Vraiment, je connais bien le producteur. Ouais, non. Je mange avec le patron tous les midis. Voilà, magnifique. Voilà, c'est terminé. Bonne nuit, à la prochaine. Non, allez. Ah, et merde, en parlant de nuit, justement, il faut que j'aille chercher mon lit. Oh, la transition était toute faite.
So. Par contre, là, si je me fais tuer, je suis baisé. Alors, il faut que je me dépêche. On va dormir en plein milieu. Non, c'est pas une bonne idée. Ah, quoique. Allez, on s'en fout. Hop, ensuite, les rambardes du coup. Ah, j'hésite. Je les fais comment? Je les fais comment? Je les fais comment? Bon, on réfléchira peut-être plus tard. Allez, réfléchis, Benoît. Réfléchis. Acajou. Acajou. C'est le premier mot qui m'est venu dans la tête. Alors, ce sera acajou. Ça change, quoi. J'en ai marre, moi, de construire des maisons en bois normal, quoi. J'en fais tellement en plus. Là. La porte sera là. Oups. Ah, je peux laisser ça là, ils vont pas le piquer de toute façon. Et puis donc là, il serait peut-être temps de penser à refermer ce truc. Parce que sinon, je vais être baisé. Vite, avant que les monstres arrivent, Benoît. Oups. Voilà. Voilà. Et maintenant. Oh mon Dieu, je vais pas en avoir assez. Ah! Et en plus. Ah, attendez, je vais faire comme ça. Ah, bah voilà, super. Alors. Non, justement, les araignées peuvent passer dans des trous de deux. Je me souviens plus maintenant. Et évidemment, j'ai oublié de mettre un toit. Est-ce que je peux dormir comme ça? Je peux dormir comme ça parce qu'il n'y a pas d'ennemis à proximité. Parfait. Voilà. Alors, on va détruire ça. On va détruire ça. Cool. Je vais aller chercher ma porte. D'accord. Je viens de me rendre compte que j'aurais pu détruire cette maison pour récupérer tout le bois. Et si ça se trouve, j'avais du bois juste là-dedans. Non. Heureusement. Mais bon, ça fait partie de ma personnalité, n'est-ce pas? Fait toujours du bien d'être un peu con. Vous voyez, il y a ceux qui sont cons d'origine et eux, ils peuvent pas se permettre de pas ne l'être. Tandis que moi, bah voilà, je le suis quand j'en ai envie. Oh là là, faut que j'arrête de dire de la merde. Juste envie de tester un truc par contre. Est-ce que je dois la mettre depuis l'intérieur ou de l'extérieur? Je me pose tout le temps cette question. Et ça commence un petit peu à m'énerver parce que j'en ai absolument aucune idée. Moi là, ça me paraît pas logique cette histoire. Je dois mettre la porte en étant à l'intérieur, moi je dis. Ouais, non, peut-être. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous me direz. Ah, voilà. Alors, du coup, ce que je pourrais faire. Voilà. Simpatico. Hop. Et. Acajou. Oups. Voilà. Parfait. Ça, je détruis. Y a quoi là-dedans? Ah oui, c'est vrai. Hop, tout ça je reprends. Voilà. Hop. Ça on pose là, ça on pose là. Et écoutez, eh bien, on commence à remplir les trous-trous du coup. Peut-être pas oublier qu'il y aura un toit à la fin. Peut-être des fenêtres aussi, maintenant que j'y pense. Alors, le toit. Alors, ça, c'est la question. J'ai jamais été foutu de ma vie de faire un toit pointu. Parce que je trouve ça. Bah, déjà, pas très beau. Alors, c'est certainement parce que je l'ai fait mal. D'accord, je vous l'accorde. Touché. Mais. Oh, j'ai une envie de faire un truc super design, là, vous allez voir. Ça va être bien ignoble. Encore une fois. Alors, ça c'est censé être quoi? Acajou, hop.
Voilà. Et donc là, hop. Non! Bah non, bah non, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Ah non, je crois que j'avais raison, attendez. Laissez-moi réfléchir. Orc. Ah non, ça risque vraiment pas d'être. Bon, allez, je m'en fous. Oh, dommage. Voilà. Et voilà, dans la catégorie des maisons complètement dégueulasses intérieurement, la création de Diablo X9. Ouais. Et donc, pour terminer cette magnifique œuvre d'art, nous allons remplir. Oh putain, ça va être chiant cette histoire par contre. Je crois que j'ai meilleur temps de me mettre au-dessus. Je crois qu'on est d'accord là-dessus, hein. Voilà. Ouais, pas dans ce sens-là, parce que ça va prendre une éternité. Par contre, ça, j'avoue que je le maîtrise encore pas mal. Oh putain! Le poser en arrière de cube. Faut juste pas se planter. Voilà. Elle a déjà un peu plus de gueule que l'autre en forme de machin, hein. Honnêtement. Je pourrais pas dire le contraire. Personne n'a rien vu. Ah oh, putain, fais chier. Allez, on y est presque. Courage. Non, putain, Benoît. Ah bah j'ai hâte de voir la fin quand même. Bah c'est pas encore pour maintenant. Putain, c'est pas avec un steak qu'on casse du bois. Ah. Hop, je casse ceci. Non, je casse pas, je pose ceci. Putain, si j'en ai pas assez, je vais être monstrueusement dégoûté. Ouf, putain. Non, c'est bon. Ah, mais tu fais exprès, là. C'est pas possible. Là. Bon, maintenant. Putain, quelle classe, quand même. Bon. Ouch. Cette maison est absolument magnifique. Regardez ça. Voilà. Manque plus que de faire quelques petites fenêtres par-ci par-là. Alors moi je dis qu'on en fait une. 1, 1, 2, 3, 4. On en fait une là. 1, 2, 3, 4. On en fait une là. 1, 2, 3, 4. On en fait une là. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et 1, 2, 3, 4. Yeah! Bon, voilà, ma maison est faite et terminée. On va peut-être pas laisser le lit en plein milieu, par contre. On va plutôt le mettre là. Voilà. Et il faudra que je pense à me faire une lampe torche pour éviter que les monstres puissent spawn au-dessus de ma petite mimine. Donc on va en mettre simplement une là. Une là. Une ici. Là.
Et puis une à l'entrée, voilà. Et puis on va en mettre encore un tout petit peu. Combien j'en ai? Tiens, je pensais que j'en avais plus que ça du coup. Où est-ce qu'ils sont les bâtons? Mais ils sont les bâtons, ils étaient là il y a 2 minutes. Attendez, attendez. Oh putain de merde, ils sont là. Voilà. Hop, je grimpe là. Alors là, il m'en faut une ici. Il m'en faut une. Ouais, il m'en faut en tout cas une au-dessus de chaque fenêtre, dira-t-on. Voilà. Voilà. Ça fait un peu château fort du coup. Alors. Putain, tu vas y arriver à t'en souvenir que les bâtons c'est en dessous, Benoît. Tu vas y arriver. Un jour, peut-être. Quand tu seras un pro youtubeur Minecraft. Ah, si seulement je l'étais un jour. Non, je plaisante. Et puis du coup, on va en mettre une. Deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Une là. Oui, je sais, je fais vraiment des trucs cons, mais c'est très symétrique toujours avec moi. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 et 4. Putain, il commence à faire nuit. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, fuck it. Ah, c'est faux, c'est ici qu'elle doit aller. Voilà. Et vite, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Non, pas bon. 4. Et puis, et on va même en mettre une au milieu, tellement on est un gueudin. Ah. Ouais, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal du tout. Commence à faire nuit. Je crois qu'on est pas mal du tout. Je termine juste en cassant ça. D'abord en grignotant un truc. Toujours manger un petit truc avant d'aller se coucher. Même si c'est très mauvais pour la digestion. Voilà. Hop, c'est chaleureux, c'est accueillant. La maison Diablo X9 se fera un plaisir de vous accueillir dans un cadre charmant et chaleureux. Je vais carrément me faire regarder une... Comment? Non, mauvaise idée. Cool, bon. Je vais carrément. Qu'est-ce que je voulais me faire moi? Ah oui. Est-ce que j'ai encore du bois? Ah ouais, j'en ai là, parfait. Hop. Bon, je vous l'avoue, faut pas être claustro, mais... Mais au moins, je sais pas, là quand je dormirai, au moins j'aurai l'impression d'être protégé. Il y aura juste la petite fenêtre là. Voilà. Et là, je vais mettre une porte. Comment est-ce qu'on fait une porte? C'est en tout cas pas dans le coffre qu'on en fait une. C'est plutôt... Non, c'est pas comme ça. C'est comme ça, bordel. Cool, parfait. Là, comme ça, j'ai ma petite chambre. Parfait. Et je peux dodo. Bon, vous aurez pu voir un peu la suite de mon aventure sur cette map survie, rien d'exceptionnel encore une fois. Alors je vous rappelle que vous allez dans la description sur ma page officielle Facebook et vous allez voter pour la prochaine map aventure de notre série Diablo X9 is Playing sur ma chaîne principale tous les lundis à midi. Merci énormément pour votre soutien incroyable. Prenez soin de vous, je vous fais plein de gros bisous. Bye bye tout le monde! Lasting.
Ah ouais, elle a quand même un peu plus de gueule que... Non, non, y a rien à faire, y a rien à faire. Je suis vachement fier de mon boulot quand même.